nzambe makambo ou bien te baye binzambo bango bazo servi. Regardez l'état de cette capitale avec des centaines de millions des églises implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons. Est-ce que vous, si votre troisième œil est tellement ouvert, l'œil spirituel, est-ce que Penza dans cette capitale il y a Dieu, le véritable créateur Hachem Adonai, El Elion, El Eloa? Oh, pour les gens qui ont place en Zamazali, regarde les désordres même électoral. On amène le président de la République, Fumadi Tunga, dans des stades. Oh, j'ai dédié le pays à Dieu. Quel Dieu? Un pays qu'on a dédié à Dieu, c'est un pays qu'on doit voir ça comme ça. Ah, boni, ba blague, ko. Ba y a débat contradictoire. Tu sais, un jour j'étais en Angleterre, dans une réunion où Nazaki invité et j'ai décortiqué les élections de 2018. Pasteur Chims, t'envoyé au Tikangan Hotel, parce que j'étais invité par eux, à poser une question. Abime, pronostic yozo sala par rapport à l'élection de 2018. Est-ce que Nzambe Moutoua Yebisio, comme tu viens de le dire, postulé à la députation et en dernière minute, lui-même est allé postuler. Est-ce que ça, c'est un homme politique? Ça, c'est un homme politique qui n'est pas cohérent, qui n'est pas constant. En 2018, n'allez pas voter parce que les machines là sont des machines à voler. Mais on l'avait vu aller voter. Après, il contesta maintenant les résultats. Moi, je trouve que, ndimi élection, naba condition au Esalameli, naba réalité au Esalameli, alors, accepter conséquence, nango, tant que ba ko proclamer vainqueur, fanda kimia. Déjà, les cartes électeurs qui s'effacent. Comme ça, qui se. Au tchamou, na malet, toujours que nous talabou, et s'effacer. Na moni, maman, mou na ria. Babou, y kopé sa yombo, opo, et longuezo, mou na soute. J'ai eu pitié de cette vieille dame-là. J'ai eu pitié. Mou, mou, kaka yel, nga vivre, nan moya, mou na ye kozoa. Ce qui $30. Babou, y kopé sa yepo, et longu na kate lecteur, et zo mou na nate. Est-ce que Denis Kadima a rendu un bon travail, service à la nation? Je ne crois pas. Voilà, merci à tout le monde, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, meilleurs voeux à tous et à toutes. Nous voici devant vous après les élections, mesdames et messieurs. Jérémy Luemba, les renards du désert, est en face de vous. Alors, grand merci et clin d'œil spécial à tous nos abonnés ainsi qu'à tous nos partenaires. Merci encore une fois à Mimi Ndoumé depuis Mouchinglaba en Allemagne. Je pense à Sema Mayasi, femme légitime agency Mayasi. Forza Italia, pourquoi pas, les célèbres Dienzundu. Depuis Washington, on est de cœur avec vous. Je suis avec le vénérable maître Wapiti. Docteur Wapiti, je crois que nous allons encore une fois parler de l'actualité sans embâge. L'homme de Dieu, l'homme spirituel, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour mon frère Jérémy. Voilà, je crois que santé, ça va. Oui, santé, pour le moment ça va, après que j'ai été frappé à 3 reprises par la malaria, donc j'ai dû suivre le kir pendant 3 fois comme ça, mais maintenant ça semble aller. Alors, docteur Wapiti, c'est vrai, nous sommes suivis de partout à travers les 5 continents, vous êtes un homme spirituel, je crois, à chaque fois, on a un début. Bato ba yebiyote, qui est docteur Wapiti d'abord? Merci beaucoup mon frère Jérémy. Yaliboso, je remercie Hachem Adonai, créateur et maître de l'univers. Et je remercie Wambampungutu Lendo, Dieu Père Tout-Puissant, Nimaweja Nangila, Dieu de nos ancêtres, Oya Salike, Tozala Susu, Liboso Yaba, internautes. Ba youtubeur oyo ba palangani na mokili mobimba.
Donc, mais pas comme les autres, parce que j'ai compris pourquoi j'étais venu ici-bas. Et je suis prêtre de l'agnose christique. Donc, j'ai compris ma mission ici-bas. Dena Lobara, toujours, nous avons quatre questions que nous posons à chaque individu, à chaque personne qui porte ce corps corporel. Qui es-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Quelle est la raison de votre visite ici-bas? Et si vous n'avez pas encore trouvé des réponses à ces quatre questions, donc vous êtes considéré comme un ignorant. Alors, docteur Wapiti, c'est vrai, Maramese Bela Osolola, vous allez prêtre et gnostique. Gnose christique. Yeah. Votre secte. Ce n'est pas un secte. Donc la gnose christique n'est pas une religion, n'est pas une église, ni un mouvement sectaire. Mais c'est un... C'est une mission messianique pour préparer les élus à ce grand retour dans la maison du Père. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein? La gnose est pour les élus. Nazasir Yehoshua Hamashia Aluba Kiango. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de élus. Les élus cônes. Hein? On est se perfectionner pour se réintégrer avec l'esprit christique qui va permettre leur ascension. Et l'ascension ne commence pas qu'après avoir quitté ce monde. Moi, j'ai déjà commencé à ascensionner parce que mon corps ne touche plus la terre. Je me suis détaché de la matière par la voie de la méditation approfondie. Ce n'est que ça. Donc, tel que tu es là, au Changarnayo, tu peux disparaître, réapparaître, voyager aussi, tout ça. Mais, des fois, je m'entraîne. Hein? Des fois, dans la salle d'entraînement, j'étais avec un ami, je me suis assis en sa face. Il y a Zalagi, une copine. Mais, bah, on m'a dit. Oh, je suis en train de faire ma camion, à 2 à 5 mètres na bango. Après na bengi nga mutunanga. Mais vous avez place, j'étais à côté de vous. Vous parlez de ça, de ça, de ça. Ça, je faisais un entraînement pour voir ce qui invisibilité nanga et ça toujours au top. Et na sala kaba entraînement, il y a bongo de temps en temps, je viens chez vous pour voir si vous allez me voir ou pas. Bon. Donc ce sont les entraînements comme un militaire doit toujours s'entraîner par des manœuvres pour azara après, quand il y aura la guerre à Kenoko Bundango sans difficulté. Voilà, merci beaucoup docteur Wapiti, ça c'est bien compris. Alors, étant que patriote congolais, je crois que vous êtes en Congo, est-ce que vous êtes qui aujourd'hui vous votez ou bien comment? Non, moi je ne suis pas électeur ici. Oh. Nga zaka électeur. Namikilia poto, awa naza électeur te. Hein? Nazo comprendre te ba oyo mususu, ils ont les nationalités étrangères mais qui arrivent à voter ici. Moi je ne peux pas le faire, je dois respecter la loi. Un Congolais ne peut pas posséder double nationalité. La constitution n'a pas encore prévu cela. Alors comme j'ai une nationalité étrangère et je reste toujours Congolais, alors la constitution ne me donne pas droit d'aller voter. Pourquoi donc, je devais aller le donc, faire? Donc, voter n'a voté. Mais tu as au moins influencé le vote quand même. Et, non, mais je te crois influencer le vote aux autres. Comme j'ai toujours dit, on va au ciel, sonder, tu quittes dans sa mabele, dans mukile bombama, tu sonder, après tu y es pour interpréter ce que nous avons remarqué par rapport aux oracles. Alors, yo sonde l'icolo na se, l'icolo lobi nini. Kota la nenge élection en salami, c'est vrai. Les gens sont en train de décrier les irrégularités.
tentative de fraude, salami, ba député Belé, ba ekosuma, ba urne, consort. Alors, yo kolo ba nini, tant que sonde côté présidence, ou bien présidentiel, nous avons pour nous tout l'un de l'ébissionni. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un chaos qui se prépare? Il y a de l'espoir? C'est qui les gagnants? Nous habitons dans un monde invisible, qui a une petite chance. Nous avons pour nous tout l'un de l'ébissionni. Tu sais, un jour j'étais en Angleterre, hein, dans une réunion où nous avons invité et j'ai décortiqué les élections de 2018. Pasteur Chims, t'as envoyé au Tikangan Hotel, parce que j'étais invité par eux, à poser une question. Abime, pronostic yozo sala par rapport à l'élection de 2018. Est-ce que Nzambe Moutoua Yebisio, comme tu viens de le dire, Wambampou, na Yebisio te, Nzambe Moutoua Yebisinga te, c'est la Gematria. Je suis en train de faire des calculs par rapport à la Gematria parce qu'on doit faire parler chaque nombre. Vous êtes un nombre. Sona Tuni, Jérémy Louemba, vous avez quel âge? On pèse un nombre. Sona Tuni, vous faites quelle taille? On pèse un nombre. Sona Tuni, vous chaussez quel pointille? On pèse un nombre. Sona Tuni, vous avez combien de doigts? Occupé sans toujours nombre. Cela tout nous vend une adresse nine. Occupé sans nombre. Donc nous sommes là en train de sonder la gématria et faire parler les nombres. Moni. Donc ce n'est que ça. Exactement. Nous avons même mutaié bisingaï comme les autres sont en train de dire. Nous avons bâti n'importe quelle sa candidature. Na cause de la présidente la bise dit mensonge. Parce que faut y avoir bise bise. Nous avons mangé combo naie. Nani parce que nous avons mis à comboter. Nous avons une diversité d'énergie et d'intelligence dans l'univers. Et ça, abréviation, ce n'est pas le nom d'un esprit quelconque. Donc, nous avons fait parler de nombre. Nous avons parlé de nombre qu'ils ont distribué. Nous avons parlé de nombre qu'ils ont entre le chiffre 2 et le chiffre 3. Nous avons parlé qui porte le chiffre 2. C'est président sortant Fati qui porte le chiffre 2 par rapport à son numéro 20. 2 plus 0, ça fait 2. Qui porte le numéro 3, c'est Katumbi Tchapwe qui porte le numéro 3. Nalobaki, challenge et kozala entre Batouana Mibale. Si Manayangona Sena Bangona Eko Bimisa, de l'autre côté Nabimisi, mais c'est Fayoulou qui a 21. Qui donne 2 plus 1, qui donne 3. Et de l'autre côté, Mukwege, docteur Mukwege, qui porte le numéro 15. 1 plus 5, qui fait 6. Nabaki, 4 personnes wana qui m'intéressent. Basus wana baza ba figurant. Ils sont venus tout simplement alourdir la liste. Est-ce que tout le monde challenge nege salamité? Hein? Deux individus là. Alors, on a l'obac dans le lobby. Est-ce que Tozongi na 2011? Parce que na 2011, j'avais prédit cela. Que où papa Etienne Tshisekedi, Nounouama Yuwa Mukamba, des restes mémoires que son âme repose en paix, portait le numéro 11. Et Joseph Kabila Kabange portait le numéro 3. Alors, si nous additionnons 1 plus 1, que portait papa Etienne Tshisekedi Nyunyuama Yuamukamba, ça fait deux. Très bien. Alors, Nabito Zongi les sous la situation wana. Maintenant, entre les deux et les trois, qui va avaler l'autre? Na 2011, tout le monde a qui trois et avala qui deux. Parce que na lobaki, papa Etienne Tshisekedi, Wamulumba, Nyunyuama Yuamukamba, des restes mémoire, ne sera plus président ici au Congo. Na lobaka yango déjà mon frère en 2011 nakati la tragédie congolaise. Très bien. Hein? L'émission était intitulée La tragédie congolaise. Des révélations en révélations, les révélations qui ne s'arrêtent pas. Donc l'histoire se répète. Se répète. Na baki tozongi lesusu nakati histoire, otozomona 2 na 3 bakobunda.
Mais maintenant, dans 2011, le traité qui chiffre 3 comme étant un sujet rwandais. Oh, Kabila, c'est un Rwandais. Papa, tu sais que disons que ça y est, dans Rwanda. C'était comme ça, non? C'était comme ça. Et aujourd'hui encore, la personne qui porte le numéro 3, on l'a traité de Zambien. Oh, mais ça, s'il était Zambien, mais pourquoi la Cour constitutionnelle l'a validé? C'est ça. La haute cour de votre pays, vous ne faites pas confiance à cette haute cour. Quel genre de peuple que vous êtes? Est-ce que bah éminent magistrat wana baza bazoba? Est-ce que bazala qui n'avait les manions sauté au bah présenta qui bango qui devait faire que bah invalider numéro 3 parce qu'il porte une nationalité étrangère? Nabato amayele ozomo na bango bazoko leka bazako loba bazako kobimisa cour constitutionnelle et tibaye bien l'autre côté. Moi, je ne suis pas de ces gens-là. Non, la Cour constitutionnelle a validé le numéro 3 parce qu'il a trouvé que même la CENI l'a validé. C'était un sujet congolais. Ozomona. Donc, Nathalie, ce qu'on a lobby, est-ce que 3 n'a 2 2 et mêla jamais 3? Jamais. Parce que 3 est plus grand que 2. Avant, tu commandes à 3, tu roules à 2. Dans le bas, 2 est le chiffre, il y a dualité. Tant que tu as qui, le président sortant, président Fatih, en 2018, chiffre 20, j'avais interprété cela à l'hôtel Mariotte dans ma conférence de presse à Paris. Dans le lobby, à cause ça, les deux côtés, parce que le chiffre 20, et ça, le chiffre Yamabe, 2, et ça, le chiffre Moko Yamabe, et ça, le chiffre dualité, et ça, le chiffre Oyo, Mukolo Mwana Moko, ya créateur à Tombo Kaka, le deuxième jour de la création. Oui, mais allez lire la Bible, je ne peux pas me promener avec des Torahs, avec des Bibles Louis Segond partout, parce que j'ai fait une émission ici, je ne suis pas dans mon bureau. Mais j'invite les lecteurs de la Bible d'aller consulter la Bible, livre de Genèse, la création. Les premiers jours de la création, Hachem dit, cela était bon. Mais les deuxièmes jours de la création, qu'est-ce que les lecteurs vont remarquer? Hachem ne dit pas que cela était bon. Pour quelle raison? Parce que c'est ces jours-là qu'il y a eu trouble dans le ciel, au tozo mon anakata livre, il y a Apocalypse. Oh, il y a eu guerre, chérubin protecteur, il a été précipité sur la terre. C'était au deuxième jour. Et c'est ce jour-là qu'on créa aussi l'endroit où on va les emprisonner. Maintenant, le troisième jour de la création, Hachem vient dire encore, cela était bon, et le chiffre 3 devint sacré. Premier jour de la création, et Hachem dit que la lumière soit, le feu entre en action. Le premier élément qui a été créé, le feu. Et quand le feu entre en action, et que Kotumba les abîme. Parce que Balobi Zalaki Touboou et Zalaki, tout était dans les abîmes et dans les désordres. Tant que Motowana et Kiti et zigzagé et créé ma monde maintenant. Et faire évacuer abîme et yekobimisa maï. L'eau. J'ai écouté un pasteur qui disait oh, Nzamba sala ki maïté. Bon, ce qui Nzamba sala ki maïté, ma yutaka wapi. Et utaka wapi. Non, c'est le fait qui a amené l'eau à l'existence. Alors, tant que maintenant ma yeye en existence, le deuxième jour de la création, l'eau et le feu entrent à conflit. Ma continue à conflit. Moto et lingi ezikisa. Biloko nyoso, mai elingi est submergé biloko nyoso. Conflit salami maintenant. Alors, troisième élément aïe, troisième jour, l'heure. L'heure, moupepe. Eye kokota na katikati na bango et stabiliser bango. Et le feu et l'eau, l'air passa au milieu et stabilisa ces deux éléments qui étaient en conflit. Et les trois devaient sacrés. Très bien. Makuku matatu. Ozomona bazolo benga makuku matatu.
Mabanga misa tu kaka mutetele misaka Nzungu po moto epela biloko ebela 3 est comme sacré. Alors on a lobby maintenant, la personne qui porte le numéro 3 va avaler le numéro 2 ou pas? La CENI nous dira dans les jours qui viennent. Mais na yebisa ki batu na lobby, cette élection, ce n'est pas comme les élections de 2011, ce n'est pas comme les élections de 2006, ce n'est pas non plus comme les élections de 2018. Parce que cette élection est spéciale, ça peut embrasser les pays. Déjà, comme on a dit, salamili, irrégularité moko, incroyable. Moi, pour moi, on devait annuler ça. Nanya kondima résultat. Tant que Seigneur a proclamé Yango, nani a kondima résultat qu'il a perdu. Mais le fair play oblige. Qui va accepter ça? Na ndenge to moneli makambo salami o ba moni machine na nda kwa batu o ba buki ba machine kuna o machine kuna sala kite o boy boy. Moi je trouve on devait annuler tout ça et reprendre tout à zéro, et cela montre que les pouvoirs en place ont échoué parce qu'ils n'ont pas pu organiser une élection selon les normes comme a fait Joseph Kabila Kabange en 2018. Et qu'on ait Inanga. Déjà, les cartes électeurs qui s'effacent. Comme ça, qui s'effacent. On a malé toujours que nous avons s'effacé. Maman, 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 ria. Maman, il y a un bon repos. Et l'on a eu un souté. J'ai eu pitié de cette vieille dame-là. J'ai eu pitié. Mon cœur, il y a vivre dans le monde. Il y a un joie. Ce qui est 30 dollars. Maman, il y a un bon repos. Et l'on électeur. Et l'on a eu un. Est-ce que Denis Kadima a rendu un bon travail, service à la nation? Je ne crois pas. Alors, plusieurs questions qui se posent. Je crois que Dr Wapiti a très bien brossé l'actualité électorale. Je crois que les élections dans le monde, elles n'en ont pas parfaites. Il y a toujours des problèmes, des tentatives de tricherie, tentatives de menaces, elles ont raté. Mais, quand même, l'actuel président l'avait promis et puis a réalisé un mot. Il voulait que Salam le 20 décembre, au moins Salami. Maintenant, spirituellement, tu as parlé des chiffres 2 et 3. Qui va avaler l'autre? Alors, mais on t'a appelé résultat provisoire. Selon les tendances dans le centre, c'est Fatih qui est en train de mener. Est-ce que les choses peuvent encore changer à la dernière minute? Mon frère, Ngawada. Diaspora, vous votez. France, quel, Belgique, Londres, États-Unis, Canada. Est-ce que vous croyez que la diaspora congolaise était un label de qualité? Je n'arrêterai pas à le dire. La diaspora congolaise n'est pas un label de qualité. Mais ma combattant va voter Kuna, ma diaspora n'est pas un label de qualité. Si la diaspora congolaise était un label de qualité, on allait voir ces pays pendant ces 5 années qui viennent de s'écouler là porter un changement. Ma ministre Bélé Baza, on a ma députée Baza, on a la diaspora. Mon frère, quand je fais le travail, il y a un passeur qui disait lui, docteur Yosa Sosomotomwendote Yosa Mondele. Il m'a vu comment j'ai réalisé les travaux chez moi. Parce que Nazu Yango Wapi, Nazu Yango na diaspora, si kana wite pa yaba mindele. Le gouverneur de la ville à Vivaki na France. À mon avis, Moussoto, il est dans la ville depuis qu'il a pris la gérance. Mais comment arriver à ma ville et comment la propriété même à 100%, même seulement à 50 ou 60%. Il a vécu en France. Mais il y avait un projet qui ne peut pas tout. Botika Koloba, mon frère, vous êtes journaliste. Ce qui vous commune à parti pris, moi je ne fais pas du parti pris. Na lobi makambu ya mese katumbi bakome kotchalanga ote akomi ko liambonga katumbi ngana ata un héros ya politicien moko na liati jusqu'au moment où je vous parle. C'est vrai, je dis ce que je pense. Tu n'es pas consulté par les gens politiques, mon frère. Tozo loba na bango na ndila, hein, la diaspora congolaise n'est pas un label de qualité. Si c'était un label de qualité, on allait voir le président de la République sortant vivait en diaspora. On militait des fois avec lui. Comme combattant. Les ministres qui sont là. Banapoto. Banapoto.
le lobby sont mal à porter le courant sur le bâté sur le mot de la diaspora bien botter la moussa la diaspora bossali quelle diaspora est-ce que ça c'est un label de qualité je ne crois pas l'état hébreu a été construit par les juifs qui venaient de la diaspora nde baloba ki ndenge to vande ki na ba France na ba Espagne na ba Allemagne na ba Hongrie ndenge to mona ki bango bazo sala ndenge pe biso to kotonga état hébreu en 1948 ils ont pris la terre des palestiniens et aujourd'hui allez voir mais oye biso diaspora alors yo lo balanga diaspora ke ndenge konfoté diaspora ke no est-ce que cette diaspora là est une diaspora de qualité à ma connaissance ce n'est pas une diaspora de qualité donc ba foutron ba foutron bazan ce n'est pas une diaspora de qualité mon frère on est allé point de vue nanga j'ai déjà dit ça à plusieurs fois mais ba voter les États-Unis Canada France Belgique Londres ba pays où on est belé ba voter dans mon peu tendance 80% pour Fatih, 5%. Oui, bah voter n'a pas un problème. Exactement, mon frère. Bah voter Fatih, bah voter Katumbi. Nous, moi, j'ai toujours dit ceci. Si président Félix Tshisekedi va relever ce pays, nous allons lui faire un monument. Le jour où il prêtait serment, moi, on m'a traité de collabo. J'ai été le premier à l'appeler Fumuwadi Tunga. Batouba longwe na nyose christique. Eh. Quand je dis j'aime beaucoup Joseph Kabila Kabange, Batouba longwe. Le Congo de Joseph Kabila Kabange et le Congo d'aujourd'hui. Quel Congo qui est le meilleur? Ah, de Kabila aussi a connu beaucoup de problèmes, hein? Non, non, non. Les problèmes sont partout. Attends, attends, on a zo géré ndakoune bien. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Bien Jérémy, on a réalisé une belle émission dernièrement. J'étais toujours dit, hein, Jérémy, je ne suis pas content de titres que vous avez mis à mon émission. Changez ces titres-là. Je ne suis pas content à la manière où vous avez dirigé l'émission. Mais cette dernière émission, est-ce que je vous ai fait des remarques? Non! Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est moi, votre frère, Enoch Babinga, les chasseurs. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous présente Bino, Orphelina Matondo, Bano Bozomona, Bano Nzamba Pesibiso, Namukumba, Koyeba Kubokola, Koyeba Nakosunga. Bien-aimé dans le Seigneur, Yango Moussalo, Tosalaka, Mobiso Mokote, Tosalaka Longo et Longo Nayo Papa, Tosalaka et Longo Nayo Mama. Nabisakabana Nzambe, Zol Bango, Lokola Bana, Oyo Bazana Kati Yandaku Nayo. Bien-aimé, nous avons beaucoup de difficultés, Ya Bana Oyo. Classe na bango, colia na bango, soins médicaux, c'est tellement difficile. Yango toye ko présenter bino bano bozomo na bilili, ko senga soutien ko te pa na bino. Bible zolo ba celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Mutu a defisha ka nzambe, nzambe atikalaka na nyongo mutu te. Tabita dokas oya c'est quoi qui c'était à cause ya ba bienfait. Maman zola nangai, papa zola nangai, ba bienfait et salaka. Nous sommes précisément sur l'avenue Mini Congo 78 dans la commune de Makala. Référence paroisse Saint Mathias. Assisté bana oyo numéro na biso pe yangwana +243 89 50 79 749 +243 89 50 79 749 na pesio déjà merci nzamba pambolo mutokolanda image kozanga te ko assisté bano que le Seigneur vous bénisse mbote mbote bandeko ezali susu ngai maman Mika la cosmétologue réparatrice à l'oposo comme toujours na ela bino ba produits naturels fait à base à fruits sans hydroquinone. Il y a le lait à sika et il y a ma fouta ya bana, lait de beauté mika bébé. En tout cas, ils allaient de 0 à 12 ans et ça là-bas, la bino qui toko ma casse, si je vous assure, bon, c'est pelanango. Ils ont bongi sa peau ya bana, ils ont rendu en lisse, propre et très agréable. Et ça là-bas, la moine à bima bambou mananzoto, ma palata, ba ma kodia, ba nini, en tout cas, ezo soigné po ya bana ki toko makasi. Mama Mika memeli bino susu bandeko, pomade na biso vimbo vi. Pomade o ezali, pomade raffermissante. Pona, ma bele, ba sein, et puis ba se, na ba mole. En tout cas, ezo vimbisa, makasi bandeko. Bo sala ba commande bo passe ba commande na bino bo ko sepe na lango makasi nzoto yaya papa mama to bondisa ngo kaka
Tozali na pomade na biso ya suki bato suki kata na pamba pamba bato suki za la pepele bato bazana mabandi solution yango eye ba produit très naturel tozana pomade ya suki tozana huile ya suki huile oyo ezo sunga bato bazana ba salité na ba cuir chevelir na bango ba poussière ba loto yo ka mkusa yo so ba okango suki ko mama la laise solution yango eye huile na biso, huile cheveux mika, eko sunga biso makasi. Toza na pomade, oezo vimbi sa suki. Suki eko ma noir, eko ma kitoko, bande ko boya ebele. Toza li na crème na biso temetisi. Pona basi ya pembe, mi bala pembe. Bande ko nanga, eko sala yo bien. Yo mtu pembe na oe gata, ya kambangu. Pase komandu na o eko komela yo. Tobo sanite basa mwindu basa chocolat mibala mwindu a chocolat crème de beauté mika yango yo ezali pona bino bo passe ba commande et sala bino bien makasi toza na beurre de karité la biso pure bio yango ye bande ko silaki bo passe ba commande et ye toza na crème réparatrice mika pona bata problème tampon cancer de peau ba rougeâtre ba noir nduta solution yangoyi boya ebele toza na pomade anti sola mapeka na 2 jours a pamba sola mapeka sili boya ebele toza na gommage café pona ko gomme longi oza na pomade bouton graisse boki malombango gommage yangoyi toza na savon noir fait à base à café okozala très à l'aise na douche na yo boya ebele huile d'ananas yango naturel en tout cas boki mambango toti ka kocha choko toti ka kocha choko ba mama ba papa na lobango air nyonso tout to na biso na possibilité nyonso ya ko retrouver te na biso normal oui eza le beba ke koma kindenge ni na yem sa kabino solution yangoyi solution yangoyo toti ka kocha ka choko mama fute zo baby sa batu toti ka hydroquinone numéro plus 243 89 98 27 674. Notre adresse, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo numéro A17, référence cabine à courant. L'émission était bien passée. Nazaka hypocrite, était mon frère. La diaspora congolaise n'est pas une diaspora de qualité. N'est pas une label de qualité. Alors, merci beaucoup, Dr. Wapiti. Je crois que Masolo à Congo est un peu compliqué, mais nous avons quand même ce souci de vouloir faire changer. Et d'abord la mentalité qu'on sort, le lot aux Anakines, peut-être. Message de groupe Sanabandi Onabiso, président Fati, président Katumbi, au cas où l'un d'eux est l'équipe président. C'est quoi la priorité pour le prochain président? Bon, ils ont validé l'élection. Namoni. Opposant Mogota lobby que élection ba nilango et tout ça bangono so bandimi quoi que ba lobby il y a eu des problèmes par ici par là mais bon côté na mona telemi farouchement pour a déclarer que élection ça ne va pas il faut ba niler yango na okango na munoko ya moko alors ils doivent accepter les conséquences quand ils vont proclamer le vainqueur, Bamoussou Bafanda Kimia. Parce qu'on les avait donné tout le temps de protester, de refuser, de n'aller pas à l'élection, tout ça, de créer même un glissement. Et ils ont dit non. L'autre a interdit même ses agents de ne plus postuler à la députation. Et en dernière minute, lui-même est allé postuler. Est-ce que ça, c'est un homme politique? Ça, c'est un homme politique qui n'est pas cohérent, qui n'est pas constant. En 2018, n'allez pas voter parce que les machines, là, sont des machines à voler. Mais on l'avait vu aller voter. Après, il contesta maintenant les résultats. Moi, je trouve que, Ndimi élection, naba condition au Esalameli, naba réalité au Esalameli, alors ba accepter conséquence nango, tant ba ko proclamer vainqueur, ba fanda kimia. Pas de troubles, pas de violence. Et tant que rekene na cour constitutionnelle a validé yango, ba fanda kimia, parce qu'ils avaient validé Katumbi, alors que les autres les traitaient toujours
d'être un Zambien. Alors, merci beaucoup, docteur Wapiti. Je crois que c'était un sujet très délicat. Alors, pour la bateau, peut-être l'autre fois, au fond, il y a une parenthèse, il y a ma casse sur la musique. On explique qui influence la musique, les artistes, le long du monde, tend vers sa fin. On peut dire qu'il y a une date, il y a le nouvel ordre mondial, ainsi de suite. Tout ça, à la fin de l'année, il y a eu des prophéties pour l'élection. L'apôtre Roland Daloa Lobaki, avant les élections, un candidat au Koufa, et Moussou pose en chaise roulante. Mais tu as voté, tu as dit qu'il n'y a pas profité, aucun d'entre eux n'a une chaise roulante. Peut-on dire qu'il y a une fausse prophétie, ou bien c'est la miséricorde de Dieu Tout-Puissant de protéger le candidat? Nana Lobaki qui est un prophète. Non, apôtre Roland Daloa. Après ça qui va arriver. Un apôtre, l'apôtre a les cinq ministères en lui. C'est comme ça. Ça, c'est l'apostolat. Ça, c'est l'apostolat. Ça, c'est le prophète. Ça, c'est l'évangéliste. Ça, c'est le pasteur. Ça, c'est le docteur. Bangonios au quatre. Bazalakanakati apôtre. L'apôtre, ça veut dire envoyé au loin pour bâtir. T'es bangon cinq, bazalakanin. Les cinq ministères. Oui. C'est ça ce que je suis en train d'expliquer, mon frère. C'est les cinq doigts de la main. Apôtre yeyo, yamunene yeyo. Oyo azali prophète. Oyo akatikata azali évangéliste. Obona l'équipe anguna moulaï. Parce que l'évangéliste, c'est le ministère du terrain, du front. Yakendaka dans front. A gagné ba âme. A zongi na bango. Na katin église, a tiki bango na disposition ya pasteur. Et docteur Yeyo Yamouke, il est négligé. Alors, tous les quatre ministères, ministère prophétique, ministère évangélique, ministère pastoral et doctoral, se trouvent dans quatre apôtres. Donc, l'apôtre peut aller dans un endroit, a commis prophète, a commis évangéliste, a commis pasteur, docteur, a commis docteur, a mobilisé, a posé fondement, a bimisi ba pasteur. Dans ma prophète, à l'écani. Ce qu'on a tourné, Aza apôtre, y a quoi? Aza apôtre, y a quoi? Aza apôtre, te bâti ka koko sa. Roland Daloa. Aza li apôtre, te. Mon frère, c'est moi qui vous dis ça. Moni, Aza li apôtre, te. Aza li apôtre, te. J'ai déjà demandé à plusieurs fois des débats avec ces gens-là qui divertissent cette capitale. Na mona ndeka matilie na mutu, na vandi na tali ndeke wana bien, j'ai passé des temps et des temps. J'ai dit ça c'est le diable, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend pas avec ces genres d'oiseaux. Mouni, quand Jean a vu l'Esprit, Johan, a vu l'Esprit, qu'est-ce qu'il déclara? J'ai vu l'Esprit Christ descendre sur Yehoshua comme une colombe, pas comme un corbeau, pas comme un moineau, mais comme une colombe, pas comme un aigle. J'ai vu l'Esprit Christ descendre sur lui comme une colombe et la voix fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Alors, Ndekewana Kitaka, c'est une colombe ou c'est un autre oiseau? Parce que le diable aussi, c'est un ange, c'est un être angélique qui a aussi des ailes. D'ailleurs, le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, le dit, chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc, Azali a portraité. C'est le diable qui est venu leur visiter.
Mon frère, mais bon, regardez. Mais ce si prophétie, ok. Et simbité, après si prophétie. Prophétie, salamé, salamité, aloba ki mouta ko kwea. Moutou moko, candidat moko a kweite, candidat moko a kena chaise roulante te, bango no soba silici. Et puis azolo bango pe bien akat église, Dieu me montre. Quel Dieu qui t'a montré? Pesa biso kombo, Moïse ba yaki koutou na eba lobi, yo moche, ramoche, yo lobi yo koutani nanza, mais kombo na ye nani fo yo yebisa biso pona nini bango bazolinga ko yebisa biso kombo ya soit disant nzambe oyo azolakisa bango makambute don nzamba ngwazanga kombo po Dieu ce n'est pas un nom mon frère. Dieu c'est une abréviation neto baloki MPR IDPS ezali abréviation moni de diversité I d'intelligence et d'énergie, I dans l'univers. Dans l'univers que nous vivons, il y a plusieurs intelligences et esprit, basé belé et énergie. Il y en a tout qui sont professionnels et simbités. Si c'est Dieu qui les a aleka asenga bolimbi sike makambwana e utaki na mutu na yemoko akoselinza me makam ou bien te bayebi nzambo bango bazo servi. Regardez l'état de cette capitale avec des centaines de millions des églises implantées dans chaque coin de la rue comme des champignons. Est-ce que vous si votre troisième œil est tellement ouvert, l'œil spirituel, est-ce que pensa dans cette capitale il y a Dieu, le véritable créateur Hachem Adonai, El Elion, El Eloa? Oh, pour la nini bozo monate, place nza mazali, regarde les désordres même électoral. On amène le président de la République, Fomadi Tonga, dans des stades. Oh, j'ai dédié le pays à Dieu. Quel Dieu? Un pays qu'on a dédié à Dieu, c'est un pays qu'on doit voir ça comme ça. Ah, boni ba blague, ko. Il y a débat contradictoire. Mon frère, moi je vis dans un pays où ils avaient écrit la Bible. La Bible n'était pas rédigée ni écrite ici au Congo. On nous a amené ça en 1491. Hein? Papier Wana Lobby, ils acceptent maintenant les homosexuels dans l'église et les églises doivent célébrer maintenant les mariages homosexuels. Mais dans la Bible qu'ils nous avaient écrit, c'est le livre de Lévitique et Deutéronome. Qu'est-ce qu'ils disent? Mobali alala na muninga na ye mobali te, c'est une abomination. Mais bango ba komina suka ya Bible bo longola te, bo bakisa te. Mais bango ba longoli to babakisi. Ça montre que cette Bible là a un problème. Bango ba kolo nango ba détenteur nango. À 325 quand constatait les grands réunissaient les gens d'un consul de Nicée. Ba passer bazalaka. Il n'y en avait pas les églises protestantes ni évangéliques. Il n'y en avait pas. Matériel mutaïe dans ma église protestante à Wa, dans ce qui est 16e siècle, quand il se révolta contre le Vatican. À qui m'y a qu'en Angleterre, ou en Angleterre, bah yambie, bah framasso, bah pèse yé mon au poids ton église protestante. Bah on y a son abali, bah Calvin. Bah on y a son abali Calvin, les Genevois. Bah on m'en a framasso. Pour n'abasa la contrepoids avec l'église catholique romaine, parce que l'église catholique romaine était en conflit avec la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie connaissait beaucoup de secrets. S'ils savaient qu'ils avaient inventé, écrit dans cette Bible qu'on nous a présentée, mon frère. Togolobane binondengenini. Donc, yo ni ma pasteur, te. Ni ma bangote ma prophétie, ba ni. Et puis, Joël Francis, tu parles, qui a moni. Dieu l'a montré que. Il n'y aura pas d'élection en 2023. Bon, c'est quoi l'élection? Salamité et salamité. Oh, y'a mon sou, ceux qui font l'ingé, c'est ceux qui n'ont pas. Diligence. Bon, alors, il y a l'élection qui est salamité. Il y a des gens qui ont salamité, il y a des gens qui ont bravo. Aïe, mon frère, vous avez vu juste. Mais l'élection est salami, même dans des conditions difficiles. Mais salami. Mais ce qu'on a raté, au fait, pour moi, perdre, c'est quoi en fait? Mon frère, ce ne sont pas. Il ne sert pas les véritables créateurs Hachem Adonai. Bazo servir yete. Vous comprenez? Bazo servir yete. Et sur la qui servir, pourquoi bozo monate mon frère? Pourquoi bozo monate?
combien de fois tu es Foukoumi si président de la République, Foukoumi si yéyé, Foukoumi humblement, Foukoumi Maboko, tout ça, mais aucune sagesse pour diriger le pays. Rien. Naba chef coutumier, l'équipe on a pouvoir. Quand les chefs coutumiers ont investi, le président Mobutu Sese Seko, tout le monde est sagesse. À côté de l'anal, il y a le président le plus influent du monde. Il y a un peu de fou. Il y a Katanga, Talamba, Mouche, il y a Grand Kasai, Nimi, il y a Bakuba, Kasongo Lunda, il y a Grand Bandundu, na Mouami, il y a Est. Bayaki, ba pesi esikoyo mpifo tango ba bengana ki na formation tango a crucifier ba papa Kimba Bamba Mahamba na Anani ba lobi non nous les francs-maçons nous n'exécutons pas les gens publiquement comme ça nos frères ba bengani Mobutu Désiré na franc-maçonnerie à la que ba chef coutumier tango sala ki tourner na Bandundu les grands chefs atikili liboko abi oh bozanga na ba pouvoir à boy. Bon investir nga bazui ba investir ye ba pesi ye muwangu kanu abadeki kotambula nango oye utaki na end wapi bazui ekota leopard ba véritable chapeau à léopard bazui ba pesi ye bazui chiseba poso ya léopard Mobutu azolo bachaka makolo toujours likolo ya poso ya léopard nenga ba grand chef ba salaka azalaki na sagesse toi azaki na sagesse te a trembler ça qui m'occupe toi trembler ça qui m'occupe Armée n'a pas eu phase. Et ça qui m'a cassé, et ça qui m'a cassé. Équipe n'a pas eu léopard. Et qui n'a coupe du monde, tout est qui n'a été. Pas qu'il y a coupe du monde. Pas de coupe d'Afrique des Nations. Pas de. Pas de combat léopard, mais de léopard à Zati. Bisson de Toye, Bisson de léopard à Zali. Voilà, merci beaucoup. Merci, docteur Wapiti. Je crois que c'était une émission assez spéciale. On a quand même eu le temps de dire. De décortiquer l'actualité politique, les élections et puis côté religion également parce qu'il y a à boire et à manger, beaucoup de révélations, beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent même et pas. Et ne s'accomplira jamais parce que ce sont des mensonges. Mmh. Ce sont des mensonges. Mon frère, il y a un débat contradictoire. Il y a un débat, il y a un Bible et un débat, spiritualité. Mais le pasteur est postulé qui est Kizamina, Godin Poi, Denis Lesse, on dirait qu'il va échouer dans le monde. Bongo, 21 000 Mbongo. Je suis supprimé par le Parlement. Mouzé Laurent Désiré Kabila, pendant 3 ans, avait géré ce pays. Azala qui est dans le Parlement. Parlement transitoire. Azala qui est dans le Parlement. Bon, le parlementaire, il y a 5 ans, et s'il y a eu 5 lois qu'ils avaient votées à l'intérêt du peuple. 5 seulement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Wapiti. Oh. Alors, clin d'œil spécial à celui qu'on appelle le célèbre Dienzundu na Washington. Bon, c'est Chicha Chimbu na Turquie, Maître Siza Soukama, puissance Amikili. Je pense à Papa Philippe Kabouikou depuis Fribourg, en Suisse-Irlande, notre conseiller. Et aussi, merci. Merci infiniment à tous nos frères, mais également à toutes nos sœurs. Il y a commis dans mon gafou là pour la confiance. Vous pensez qu'il y a un seul choix sur moi. Ce n'était pas facile. Il y avait plusieurs candidats conseillers municipaux. Mais quand même, on a eu des voix considérables. Alors, nous faisons croire que Togo Sala comme il faut. Quand on est en campagne, on attend le résultat. Nous sommes là. La jeunesse gagnera. Merci beaucoup. Merci, docteur Wapiti. Je vais vous donner le numéro et affiché. Oui, attends pour afficher le numéro, ce n'est pas grave. Hein. Moi, mon numéro se trouve toujours sur les réseaux sociaux. Mmh. Hein. Se trouve toujours sur les réseaux sociaux. Je suis un homme public. En cas de quoi, si nous pouvons porter assistance spirituelle à qui que ce soit, nous pouvons le faire par la grâce de HM Adonai. Donc, très bien. C'est un peu ça, mon frère. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Restons ensemble pour de vrai. Abonnez-vous sur Équilibre TV, partagez cette émission et cela va nous faire du bien. Merci beaucoup, docteur Wapiti. Merci, c'est moi qui vous remercie, Jérémy Luemba, avec toute votre équipe.
de m'avoir donné encore cette opportunité de passer et exprimer la pensée christique. La pensée christique. La pensée christique. Parce que moi, je reflète la gnose christique. Donc, toutes mes pensées sont inspirées christiquement. C'est bon. Et oui, tu n'as pas l'amour aussi. Ce qui n'a rien. Mais là, c'est le pape Bouyneni. C'est vous le pape noir. Mon frère, au moment où tout yo, j'ai expliqué à quelqu'un hier. Au moment où tout yo, nous avons eu l'issue à tiki en opolele. Même moi, dans mon cas, quand on l'issue, j'ai eu cerveau, les deux cerveaux, de droite et de gauche, à tiki en on a kati ya coquille, oyo. À bombi en on a kati, à zui les sous souki, à tiki en on comme protection, et jouer le cola, tapis moko. Pour ce que Jésus choque, et bien d'accord, amortir choc. Parce que Moutouaza, cerveau. Le cerveau, c'est le siège de l'esprit. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Vous comprenez? Il y a un oiseau pompé maquilla parce que l'âme pénètre le sang. Vous comprenez? Même n'accord pas ça, même passer non soit à Sainte-Seine. Ils n'ont pas compris ça. Jésus souleva la coupe. Il y a une coupe à Banigoté, mais ça va. Oh, la Sainte. Mais Jésus, c'est là qu'on a boutou. Pour ça, là qu'on a mouillé. Pourquoi? Ça s'est fait la nuit. Nous autres, Christ, ça s'est fait la nuit. Ça s'est fait la nuit. La nuit où il fut livré. C'est dans la Bible. La nuit où il fut livré. Ça commençait même en Égypte. Hein? C'est un rite cananéen. Papa, il faut tuer les animaux. Quand vous posez la question à un maître doit vous amener plus loin pour vous faire comprendre. N'a qu'au changer ba l'obéli, ti élève à comprendre. Tu dois protéger votre tête. Kopé sa kamutu na yo na batune sauté ba simba kayango. J'ai une seule personne qui me coiffe ici dans cette capitale. Ba tu ba simba ka simba kamutu na ngati. Je dois protéger mon septième chakra. Ne logo ro bombio. O komo na nga rare na zala mutu polele. Rare. Nazalaka toujours na chapeau na mutunanga, quelles que soient les circonstances. Parce que j'ai compris le rôle du septième chakra, septième porte. Moni, na ebise batujana zikoupe, zoa appareil respiratoire na yo. J'ai même la photo sur mon appareil. Quand j'enseigne, je montre ça. Fais ça à l'envers. Okomo na appareil respiratoire na yo à forme d'une coupe. Je ne sais pas même vert. Mais je sais qui verte. Hein? Langage allégorique. Langage des signes. Il faut arriver et comprendre comment interpréter et donner du sens à de différents signes que la Bible nous présente. Wanezali maintenant, quatrième interprétation de la Bible. Mais Bango Bafani, la première interprétation qui est obvique et littéraire. Alors, dans la gnose christique, nous disons ceci. Quand une personne interprète la Bible d'une manière littéraire et obvique, il commet un péché parce qu'il est en train de conduire la masse populaire dans la brousse. Il faut entrer dans la quatrième interprétation. Les yesodes, les fondements qui est mystique et ésotérique. Très bien. Alors, grand maître. Il y a un mot qui est en train de sauter. Il y a un mot qui est en train de sauter. Il y a les divers qui passent dans la capitale. Les divers. Non, il y a un verset Bible. La Bible dit. La Bible dit. Si on a posé une question, pourquoi ils ont pêché 153 poissons? Pourquoi ils n'ont pas dit seulement que ces jours-là, ils ont attrapé plusieurs gros poissons? Mais on nous donne le chiffre. 153 poissons. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Langage allégorique. Maintenant, tu racontes la quatrième interprétation pendant que nous retenons maintenant le mystère des nombres. Alors, Simba Mathieu, on a grand maître. On va revenir prochainement. C'était une parenthèse. PVT pour ce qu'un PVC Kotiboué, mon frère, Tokoko Lobati Lobina Tongo. Alors, c'est bon. Mesdames et messieurs, merci pour la confiance, merci pour l'attention renouvelée. Nous sommes là pour vous, Tokoko Fongo, ma parenthèse et Bélé. Grand maître, merci. Hein.
Oui, c'est moi qui vous remercie, frère Jérémy. PVC, Michopo, c'est comment il faut n'ingana la kata libou, moi je comprends. Alors, le temps est parti, on est ensemble. Bye au prochain numéro.